Journée Jodia, c'est une journée d'œil pour la police là. Côté Anosa Patrick, qui est un agent SWAT, tombé en bas de l'assassin, groupe Fantôme 509, devant le commissariat Canapé. Après, groupe ça a été fin boulé, trois machines sur route d'Elma. Unité spécialisée nous est obligée de réagir devant la qualité de violence que le groupe ça a été déclenché dans la capitale. C'est comme ça, dans le poste là, quatre agresseurs qui sont Wilbert Florent, Walter Bichot, Marseille Junior, Joseph Adam, ont été touchés mortellement et plusieurs l'autre blessé que nous avons cherché activement. Renal Courtois, qui est un dans l'idée mouvement ça, nommé nous, et c'est un policier actif. Service renseignement est informé des activités groupe ça et disposition te prend pour bloquer les policiers qui choisissent servir l'autre cause pour l'argent avec intérêt personnel contre la police là qui a payé yo pour protéger les citoyennes et les citoyens. Sous commandement PAM, moi te dis, moi pas accepter et la mort Patrick Anosa qui fait partie de 25e promotion, renforcer l'engagement dans le camp contre toute forme de violence qui a détruit le pays chaque jour plus. Dans un moment difficile, ça, je salue le courage de tout groupe là, avec le commandement qui campait jam la journée comme la nuit pour empêcher le pays à tomber dans le chaos. Je salue tout. Mais moi, nous avons, et nous avons dit que nous sommes fiers de voir un garçon ça. Il était bon nous et qui mettait au service du pays à campagne de conviction. Nous avons dit famille, il n'est pas mort pour grand merci. Pendant que nous avons honoré mémoire, nous connaissons que plus de justice nous avons lié à la famille, c'est résoudre définitivement le problème fantôme 609 ça. Qui sont un cancer pour la police là et pour les citoyens. Merci en ville. Journée Jodia, c'est une journée d'œil pour la police là. Côté Anosa Patrick, qui est un agent SWAT, tombé en bas de l'assassin, groupe Fantôme 509, devant le commissariat Canapé. Après, groupe ça a été fin boulé, trois machines sur route d'Elma. Unité spécialisée nous est obligée de réagir devant la qualité de violence que le groupe ça a été déclenché dans la capitale. C'est comme ça, dans le poste là,